On est de retour en live cet après-midi et au téléphone, j'ai avec moi Elsa Esnou. Salut Elsa. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben ça va, on fait comme on peut pendant cette période de confinement. Bah oui, c'est pas évident, du coup comment ça se passe pour toi en ce moment ? T'es coincé où, on va dire ? Oh, je suis à Paris, chez moi avec ma petite chienne Eden. Ouais. Donc voilà, je joue beaucoup avec elle, je passe du temps, et puis j'en profite aussi pour composer, pour écrire, pour être aussi, rester toujours proche des gens qui me soutiennent, donc du public, et j'essaye de faire un maximum de live, de vidéos, de messages pour eux, au travers des réseaux sociaux, et voilà. Bon, tu t'ennuies pas du coup, ça va? Ça, bah, le non, temps y a passe. Vraiment de quoi faire. Ouais, bon. Ok. Alors, je le rappelle, ton dernier album 4 est dispo depuis l'été dernier. Alors, le précédent, tu l'avais appelé 3. C'est pas évident, j'ai l'impression de trouver un titre qui accroche, on va dire ça comme ça. Alors, ça n'a rien à voir. C'est ouais. Plus, on va dire que c'est plus compliqué de se mettre d'accord sur un titre entre moi, entre la production, la maison de disques, etc. Ouais. Et on s'est dit, bah, finalement, pourquoi s'embêter ? Autant mettre un numéro. Et puis, c'est même pas ça, c'est que Jean-Luc Azoulay, qui fait donc, enfin, qui est mon producteur, etc., me disait, écoute Elsa, moi, je veux absolument que tu fasses plein d'albums. C'est, voilà. Donc, et il me dit, ce sera plus simple qu'on fasse une collection comme ça. Il me disait ça en rigolant. Et je lui dis, bah écoute, t'as raison, on va arrêter, ce sera plus sympa de mettre des chiffres. Et puis voilà. Et puis c'est même pas ça, c'est qu'en plus, moi c'est vrai, c'est ce que je pense aussi, c'est que chaque chanson raconte déjà une histoire. Donc comme vous avez plusieurs histoires sur un album, finalement il n'y a pas un seul titre qui englobe tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc à la rigueur, ce qui compte, c'est des titres sur des chansons, ça oui. Mais après, l'album en lui-même, voilà. Comme on va dire, il y a plusieurs histoires dans un livre. Oui, donc voilà. Le titre de l'album, au final, peu importe, effectivement, c'est les titres c'est des chansons qui importent. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, tu nous parles de quoi dans cet album ? Alors, dans cet album, donc on parle toujours d'amour. Moi, j'ai aussi parlé de... Il y a une chanson qui s'appelle « Dans le miroir ». C'est une chanson qui parle éventuellement des complexes qu'on pourrait avoir avec nous-mêmes. Voilà, ce rapport à l'image. Des gens qui pourraient être mal dans leur peau, etc. Comme j'ai pu ressentir aussi. Et puis il y a aussi une autre chanson un peu plus originale aussi, Androgyne, voilà. Et puis il y a certaines chansons qui sont à tendance un petit peu plus électro. Donc en fait, il y a eu une petite évolution dans cet album, contrairement aux autres, aux précédents. Le précédent était un petit peu plus à tendance de musique que j'avais faite à Nashville, que j'ai faite aussi là, sur ce quatrième album à Nashville, puisqu'on était retourné aux États-Unis, mais qui était plus un peu country, pop, voilà. Mais et là, sur celle-ci, un petit peu plus électro sur certaines. Maintenant, on garde quand même toujours ce noyau qu'on aime. Donc, voilà. C'est à peu près toujours un peu la même chose, mais un petit peu en évoluant. Enfin, je veux dire, la même chose, je m'entends par là. Je veux dire, et voilà, les thèmes, ça change, hein, voilà, musicalement. L'amour. Mais on n'a jamais fini d'en faire le tour, finalement. Ouais, même musicalement, je veux dire, le fait que tu ailles aux États-Unis pour enregistrer, t'apprends des choses là-bas un peu différentes dans la façon de faire, dans la façon peut-être de ressentir la musique. Ah oui, vraiment. Alors, c'est vrai que Nashville, c'est vraiment la ce qu'on appelle Music City, c'est vraiment la ville de la musique. Là-bas, les gens apprennent la musique, mais déjà dès qu'ils naissent. Donc là-bas, c'est leur religion, c'est leur culture. Il y en a partout quand vous baladez dans les villes. Et puis dans le studio, j'ai eu l'expérience en fait de. Donc moi, j'étais venue avec mes maquettes déjà. Hein. J'ai pas tout construit là-bas, mais avec les musiciens, on a pu rajouter des choses, mais en live, en direct. On était en condition vraiment de direct, c'est-à-dire que le studio était séparé par une vitre et d'un côté, il y avait les musiciens qui jouaient, et moi, de l'autre, je chantais. Et donc, on faisait ensemble notre cuisine. Moi, je disais, je rajouterais bien ci, ça. Là, à tel moment, j'aimerais que là, on s'arrête, par exemple, de jouer pour la reprise. Je vais refaire cette phrase-là. Là, il faudrait que la musique m'accompagne à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est vraiment, on construit ensemble, c'est génial. En plus, ils sont extrêmement drôles, sympas. Vraiment, ça s'est fait dans une ambiance très... Très détendu, enfin, vraiment, on va dire. Très zen. Comment dire, voilà. Ouais, zen, mais pro à la fois, quand même. Mais complètement. Ouais. Ah oui, mais alors ça, c'est d'un professionnalisme. Ils sont extrêmement talentueux. Et à l'écoute aussi, je suppose, d'après ce que tu me dis.
Oui, tout à fait. Ah bah, ils sont extrêmement ouverts. Dès qu'on leur propose quelque chose, ils font mais oui, mais carrément, t'as raison. Et puis même s'ils veulent, ils veulent rajouter un truc. Enfin, c'est vraiment un vrai échange en fait, parce ils peuvent aussi avoir de super bonnes idées. Et moi, j'aime bien aussi qu'on me propose des choses. C'est top, vraiment. Et puis en plus, la chance de travailler en plus avec la guitariste de Taylor Swift, moi qui suis fan de Taylor Swift, Ouais. qui est Wanda Vick. Donc c'était génial d'avoir pu la rencontrer. Et puis j'avais aussi le meilleur batteur du moment qui avait eu un award carrément du meilleur batteur de l'année. Non mais je vous assure, C'est la là-bas. classe, ça, c'est la classe. Ah c'était la classe. J'étais comme une enfant avec les yeux comme ça qui pétillaient. Non, c'était vraiment une chance énorme d'avoir pu avoir cette expérience en tout cas. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu seras en concert dans la région dans quelques semaines, si on peut sortir d'ici Ah là. oui, j'ai hâte. Normalement, oui, hein, ça sera au NEC de Marly, à côté de Metz, le lundi 15 juin. Et si vous voulez vos places, vous n'hésitez pas. Vous retrouvez également toutes les infos sur la page Facebook de Elsa et Snoof. Un petit mot également, tiens, sur les mystères de l'amour, puisque tu es l'une des figures clés de la série, je peux dire ça comme ça. Merci. Alors, ça marche bien en plus, hein, 22e saison en cours sur TMC. Comment tu peux expliquer cette longévité de la série, le fait que les téléspectateurs eh ben, soient toujours là finalement au fil des années? Je pense que déjà, bon, alors c'est une série qui personnages qui sont quand même attachants. Les gens ont pu effectivement évoluer avec eux. Et puis c'est une série qui est. Alors déjà, ce sont de vraies amitiés. Donc les gens, vraiment, les comédiens s'entendent, mais ce sont des amis depuis toujours. Ça devient même une famille. Et donc je pense que ça se ressent pour le téléspectateur qui, lui, dans son canapé, il ressent, je pense, aussi cette bonne entente, au-delà des rôles, hein, je veux dire quand même, qui sont interprétés. Et puis en plus, c'est une série qui n'est pas prise de tête. C'est-à-dire vraiment, tout est. On va dire, c'est assez. Ça reste quand même joyeux, même quand il y a des histoires, on pourrait dire, un petit peu angoissantes, mais très vite, ça se remet dans l'ordre. Enfin, on voit que c'est bon enfant. Donc, je pense qu'il y a ce côté vraiment où les gens, lorsqu'ils ont passé une semaine de travail, peuvent se relâcher, enlever tout ce qui pourrait leur prendre un peu la tête le temps de 45 minutes, ou 50 minutes, pardon, ce sont des 52 minutes. 52 minutes à l'antenne, voilà. Il relâche la pression, il se change les idées, ça fait du bien et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne depuis toutes ces années. Ouais, c'est vrai que c'est important, en ces temps un peu compliqué. Niveau tournage, c'est vrai que ça va être intensif quand même, parce que c'est vrai que pas mal de séries proposent, allez, 10, 12 épisodes par an. Là, c'est toutes les semaines. Bien sûr, là, toutes les semaines, effectivement, on doit livrer à TMC les épisodes. En fait, ce qui est bien, c'est que on a ce rythme qui fait qu'effectivement, ça, c'est en continu et du coup, on peut vivre à fond nos rôles en fait. Ouais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Oui, c'est un boulot à temps plein en fait, complètement. Ouais. Maintenant, c'est vrai que là, bon, bah, forcément, c'est en stand-by parce qu'on peut plus tourner. En revanche, du coup, ce qu'on a fait, c'est que parce que normalement, donc, on a un inédit le samedi, un inédit le dimanche. Et ben, on a stoppé la diff du samedi. On a gardé que le dimanche. Comme ça permet de pouvoir continuer de passer à l'antenne jusqu'à ce que les tournages reprennent, je l'espère, parce qu'on avait suffisamment d'épisodes pour tenir quelques temps là. Voilà. D'accord. Le ouais. Mais histoire d'économiser les épisodes, on n'en a mis qu'un seul plutôt que deux inédits par week-end. Voilà. Alors juste pour finir en 30 secondes, je te laisse l'antenne pour dire ce que tu veux à tous tes fans qui nous écoutent cet après-midi. Tu peux leur dire ce que tu veux. Alors à tous les auditeurs, à tous ceux qui m'écoutent, eh ben je vous embrasse très fort. Je vous souhaite que tout se passe bien pendant les prochains jours encore et les prochaines semaines qui nous attendent pendant cette période de confinement. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Le seul moyen qu'on s'en sorte le plus vite possible, c'est que chacun puisse rester chez lui. Ça, c'est très, très important. Voilà, on ne nous demande pas grand-chose, mais il faut pouvoir rester chez soi. Je remercie aussi tout le personnel médical, toutes les forces de l'ordre, tous ceux qui travaillent au quotidien, tous ceux qui sont en première ligne face à ce virus et qui nous aident au quotidien à passer cette épreuve. Je remercie tous ces gens-là, autant impliqués. Merci à vous tous de nous aider. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve vite. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup, Elsa et Snoo, d'avoir été avec moi Eh cet bien, merci à après-midi. vous. Merci à vous.